Et yo les amis, c'est P1, alors on se retrouve aujourd'hui pour une dégustation de burger XXL maison. Voilà, regarde-moi ça, avec des petites soca chips au ketchup. Voilà, la tradition à Nice, on fait de la soca avec tout. Qui est fait avec de la farine de pois chiche. Désolé, j'ai pas de soca bira parce qu'on fait de la bière aussi. Au niveau du hamburger, on part sur 5 fromages, un quadruple steak. Steak bien sûr fourré au fromage, puisque tu prends ta grosse boule de fromage, tu la mets tac sur ton steak et tu remets l'autre steak dessus, tu les lis et tu les fais cuire ensemble. Ce qui fait deux énormes steaks hachés. Au niveau du fromage, on a bien sûr du cheddar, du Mexicana qui a du fromage pimenté, du Monterey Jack 1840 pour les vrais, seuls les vrais connaissent, du cheddar au poivre et du Morbier qui est du fromage français au lait cru avec de la cendre à l'intérieur. Une fine tranche de cendre. Et comme le Morbier c'est le meilleur, je l'ai mis à l'intérieur des steaks. Ah, j'ai hâte. Tiens, voilà ce que c'est les soca chips. J'ai aussi mis des tomates, des olives au poivron et de la sauce samouraï partout. Et comme certains l'ont vu sur Snap, j'ai fait revenir les petits pain au beurre salé. Allez, on attaque, petite Volvic. Alors c'est impossible de le soulever, je vais devoir l'attaquer par le haut en fait. Je vais m'en mettre partout, ça va être génial, allez c'est parti. Ah, c'est trop bon. Et comme l'hamburger est assez lourd, j'ai mis du pain de blé Nice que j'ai fait revenir au beurre aussi dessus, tu vois, pour tout tenir. Avec du fromage au milieu que j'ai fait fondre, petite olive. C'est trop bon. C'est le meilleur hamburger que j'ai mangé de toute ma vie. La sauce samouraï, laisse tomber. J'en ai de partout déjà. Couplé avec le fromage pimenté fondu, c'est de la tuerie. Petite soca chips. Et le burger, il fait presque 1 kg, les gars. Tant de dire que c'est mon seul repas de la journée. Et c'est de la tuerie de manger le hamburger comme ça, je l'ai jamais fait. Ça sert à rien les fourchettes. Je sens la tome, ça y est. Avec les olives juste en dessous, c'est parfait. Pouce bleu si toi aussi tu connais Olive et Tom. Regarde, petite tomate plein de sauce. Regarde, je crois que ce petit côté avec le fromage fondu là m'appelle. Je vois la tome qui sort, mais je peux pas vous la montrer parce que ça se voit pas beaucoup. Il faut que je croque au milieu là, tu vois. Je pense que c'est ma seule vidéo qui va pas vous donner faim avec celle des tripes parce que je suis obligé de manger vraiment comme un porc. Regarde-moi ce fromage fondu là. Petite chips. Après les vidéos de survie, ça fait du bien. J'ai envie de croquer en plein milieu, je suis désolé. Franchement, si t'avais ça devant moi, tu ferais pareil quoi. Et là, je vais essayer de te montrer, t'as la tome qui fond juste là. Ah, je viens de sniffer un bout de fromage. En plus, c'est juste quand je me laisse pousser la barbe que je fais un burger comme ça. Comme ça, je m'en fous bien de partout. T'as là, j'ai croqué toute la tome. Par contre, ça ressemble plus à un burger là, ça y est. Comme ça fait du bien de manger comme un animal. Bon, faites pas ça au restaurant, bien sûr. Oh, le mélange des 5 fromages, c'est de la folie. J'ai quand même utilisé un pot entier de samouraï, hein. Je peux te dire que c'est bon. C'est vraiment énorme parce que t'as toutes les saveurs qui se mélangent. Je pense qu'on part bien sur du 4000 calories minimum, hein. Voilà, je vais pas manger pendant une semaine. Bon bah bon appétit encore pour ceux qui arrivent. En plus j'ai pris des steaks bio les gars. Il y a la tome, il faut que je te montre. Tu vois, au tout milieu, quand j'appuie, il y a la tome qui sort. Allez gros croc. T'as un peu de Volvic parce que... Je commence à caler un petit peu, mais il y a de la place, t'inquiète. On va reprendre le pain, on va le remettre dessus. Voilà. Bon bah du coup, on n'a même pas discuté. C'est pas tous les jours qu'on mange un hamburger comme ça. Donc je devrais rester à la montagne encore une dizaine de jours, donc il y aura encore plein de vidéos de survie. Bon, j'ai hâte de recevoir le nouveau Call of, hein, pour faire la vidéo là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gaming. Ouah, c'est lourd hein, quand même. Allez, bientôt à la fin. Bah le croc de la fin du coup, je pense que ça passe. Ah, il reste tous les morceaux de fromage et les trucs qui sont tombés, regarde.
Ah, j'en ai partout. Attends, un peu de ketchup. Et bah c'était un sacré hamburger, hein, je peux vous dire. Le plus gros que j'ai jamais fait et que j'ai jamais mangé, je pense aussi. Je peux plus bouger, hein. T'as vu, il commence à y avoir un petit peu d'entraînement. Donc dans un mois ou deux, on rajoutera un étage, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un burger de 2,5 kg, puisque c'est le poids du giga tacos. Pour l'instant, il passe pas, donc ça sert à rien que j'essaye de le faire. Bon bah j'espère que ça vous a plu, les amis. Désolé d'avoir mangé comme un porc, hein, mais pas trop le choix avec ce type de hamburger. Prochaine vidéo, ce sera sûrement une autre vidéo de survie ou en extérieur du moins. Donc portez-vous bien, mangez beaucoup, faites du sport et à bientôt. Ciao.